Voilà, je suis repartie pour un petit tour et cette fois je voyage solo. Donc je suis simplement en road trip dans la ville de Luxembourg et je sais pas du tout ce qu'on va aller faire. Ce sera la surprise générale. Je crois que je me suis complètement plantée de ville, je suis à Paris en fait, il y a tout de fait. On a peut-être qu'on m'explique. Voilà. J'ai un peu quitté le centre business et compagnie où il y a la gare, etc. Je suppose, puisque vu les immeubles que j'ai vus. Et d'un coup, il n'y a plus personne. Il fait super silencieux, il y a l'ambulance qui arrive, mais. Du bien. Une feuille d'érable, ça vous rappelle rien ça? Les aléas du voyage, on les aime tellement. Bah ici derrière moi on a un bel office de tourisme qui est fermé. Du coup, bye que bye. Alors là c'est un petit clin d'œil à mon ami Jean-François, c'est que je pars dans un autre pays et à chaque fois que je mange un truc, ça tombe sur un resto asiatique. Il n'y a rien à faire, j'ai trop envie de retourner en Asie à mon avis. C'est, en fait, à chaque fois je vais dans un pays, je mange pas forcément la spécialité du pays, ou alors si. Ou alors je mange la spécialité d'un autre pays où j'ai déjà été. C'est toujours comme ça. C'est trop bizarre. Alors là, mon petit chouchou, c'est pour toi. Je sais que t'aimes bien Halloween, alors voilà. Voilà, je me balade tant bien que mal, j'ai bien mangé, j'avais pas très faim, donc ça m'a bien rempli. Un truc assez cool que je trouve, c'est que Google me dit apparemment que l'influence est normale, comme et pour moi, par rapport à ce que j'ai déjà vécu dans d'autres villes, il n'y a pas grand monde, du coup c'est pas oppressant, c'est pas chiant, tu prends une table facilement. Le shopping, il n'y a personne qui bouscule, les gens se bougent quand je suis en train de filmer. Donc là, j'avoue, c'est très agréable, c'est très agréable.
J'ai craqué, hein. Je me suis pris un petit chouchou express pour faire le tour de la ville. J'aime bien cette éternerie là et voilà. Il y a un petit côté sympa et énigmatique, pas le bon mot je crois. Enfin, voilà, il y a un côté un peu très noir et blanc, très contraste, voilà, c'était ça le mot que je cherchais à Luxembourg, c'est qu'en fait, c'est vraiment comme en Suisse, hein, ça me fait vraiment penser à ça. On a un côté rustique, authentique, avec les vieux bâtiments qui sont très bien entretenus, c'est très propre. Et puis on a les bagnoles de luxe à côté. Dans le petit chouchou que je viens de faire, un truc qui était assez cool, c'est qu'on voit les trucs luxe et compagnie, et puis ils mettent du yodel dans les watts, quoi. J'ai vraiment rigolé, oui je sais, mes ongles sont dégueux, enfin on s'en fout. Caméra dans le sac parce que bon, il y a de l'orage, j'ai quand même pas envie de la zigouiller. Et je suis arrivé très panoramique là, donc on va quand même voir le panorama. Je suis quelqu'un d'hyper, hyper rassuré par contre.